une génération. Donc dès que je puis, je suis allé l'acheter à Micromania. Et voilà, maintenant on passe du temps dessus, on y joue ensemble sur internet, les uns comme les autres. Donc voilà, ça nous permet de passer un peu de temps en dehors du rugby. Quoi. Ouais, bon, après moi je trouve que ce qui est vachement bien fait, c'est les passes après contact. Là, c'est ouais. Assez marrant. Si tu penses un peu au jeu de ça, du stade ou alors des mecs comme ça, des là, c'est marrant, il est assez complet. Hein. On peut faire à peu près tout ce qui se passe sur un terrain. Tu as joué un peu à l'autre jeu aussi? À l'autre jeu, oui, j'ai un peu joué, mais bon, j'ai à la démo. J'ai été chargé à la démo, donc là, ça m'a pas vraiment plus exactement le même que sur Play 2, j'ai l'impression. Donc, et puis il est vite fini. Ouais, voilà, ouais, il n'y avait pas là, on a la chance d'avoir le top 14, on peut jouer, donc on fait un peu participer au championnat top 14, le championnat du Super 15, donc il est beaucoup plus complet, faire une carrière avec l'équipe de son choix, donc c'est vachement intéressant. Bon, et Rugby Challenge, alors tu m'as dit que tu avais un peu joué? Ouais, ben, en fait, Rugby Challenge, dès qu'il est sorti, moi, en fait, j'avais déjà lu des critiques dessus, et voilà, moi, j'ai pas hésité, j'ai acheté celui-là. Alors, un matin, je suis passé à la FNAC, par hasard, en ville, et donc, je savais pas exactement la date de sortie, j'ai pas hésité à l'acheter, quoi, à la FNAC Micro, en ville.